Je dois être le seul mec au monde hein, qui tombe malade et qui va en Écosse. Je suis rentré de Thaïlande il y a à peu près 10 jours et nous voilà directement en Écosse, plus précisément à Édimbourg. Donc me voilà accueilli par un beau petit soleil. Bon, il fait pas chaud du tout, hein. Comme vous pouvez le constater, là c'est manteau, pull, écharpe. Là j'ai posé mes affaires au Airbnb. On va aller au niveau du centre-ville, manger un petit coup parce que là, je commence à avoir faim. Alors franchement, au niveau de la ville pour l'instant, très très bonne première impression. Bah, comme on le voit sur les photos, les vidéos, etc. L'architecture, c'est très très beau. Surtout au niveau du centre-ville, c'est magnifique. On n'est pas dépaysé par rapport à l'Angleterre, hein. Vraiment ça se ressemble quand même pas mal. Mais voilà, c'était de base une vidéo qui était même pas prévue, un voyage qui n'était même pas prévu. Donc là on va être sur de l'improvisation. Je reste exactement 6 jours, je sais même pas ce que je vais faire, mis à part un match de foot. Je vais aller voir l'équipe de foot de Édimbourg, donc c'est Hibernian. Bon, c'est pas une grosse équipe, hein. C'est très très loin d'être le Celtic ou les Rangers, mais ça vaut quand même le détour d'aller regarder un petit match de Premiership, donc championnat écossais. J'ai aussi repéré un petit club de boxe qui pourrait être sympathique. Là on arrive devant un petit parc qui est pas mal. Grands espaces verts, ça fait plaisir. Moi, ce qui m'intéresse fortement, c'est d'aller voir tout ce qui est architecture un peu victorienne et tout. On va faire et de la ville et de la nature. On va voir si on peut décaler peut-être une journée à Glasgow. Ça peut être pas mal aussi. Donc là, comme d'hab, ça va être des kilomètres de marche que je vais me taper. Normalement, à l'heure où sort cette vidéo, mon vlog Laos est déjà sorti. Clairement pas serein. Ah, je suis bêté, sa mère dans l'eau. Ceux qui l'ont regardé, j'espère que vous avez apprécié. Donc voilà, si dans l'ensemble t'aimes bien ce que je fais, n'hésite pas à t'abonner, mettre un petit like. Je sais pas si ça se voit à la caméra, mais j'ai les narines complètement irritées. À mon retour de Thaïlande, j'ai fait le fou à rentrer en t-shirt. J'ai chopé un rhume de ouf directement dès le premier jour. Et ça fait une semaine que je fais que d'éternuer, de me moucher, etc. Et du coup, bah, j'ai les narines complètement explosées. Là, je dois mettre une crème pour l'irritation. C'est une galère de ouf. Et laisse tomber comment ça pique et tout. Et puis je sais pas si ça se voit trop, mais bref, je vais pas faire un zoom grand plan de façon, de toute manière. Petite constatation, moi qui pensais avoir progressé en anglais, j'ai été forcé de constater que c'était, alors le cas oui, mais rien à voir avec les Thaïlandais, hein. Moi quand je parlais aux Thaïlandais là, je limite je les prenais un peu de haut, genre ouais, ils sont pas forts en anglais les mecs, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils déconnent frère, on est dans un pays touristique les gars, apprenez votre anglais. J'étais là comme ça là, je commençais à prendre la confiance et je suis tombé face à un anglais direct à l'aéroport, il m'a calmé. J'ai rien compris, laisse tomber. Mais de toute façon, il parle trop vite, c'est une dinguerie. J'ai fait des progrès parce que j'arrive quand même à comprendre un peu le sens de la phrase et tout. Mais je dois leur demander à plusieurs reprises, can you speak slowly please? Parce que sinon, laisse tomber, il débite, laisse tomber. Franchement, c'est beau. Hein, moi, j'aime bien. Bon, moi qui sors de Thaïlande là, récemment, c'est totalement différent. Putain, dire qu'il y a 10 jours à peine, je sortais en débardeur, en short dehors. À 4h du matin, c'était la même. Bon, là, je viens d'arriver, donc ça va être un petit peu journée découverte au hasard. On va aller à droite, à gauche, on va aller au centre-ville, on va tourner. Dès ce soir, quand je serai posé tranquillement dans mon lit, je vais regarder que faire pour ces prochaines journées. Où est-ce que je vais aller? Je vais organiser mes futures journées. Là, c'est vraiment la petite journée tranquille où on arrive, on se pose, on visite, on se prend pas la tête. Regardez-moi cette architecture. C'est vraiment pour ça que je suis venu dans ce pays. C'est magnifique. Des gros châteaux comme ça là. On dirait vraiment Game of Thrones, donc c'est vraiment trop beau. Et là, ça fait un petit peu architecture gothique, époque victorienne et tout. J'aime trop. Là, je suis en plein centre-ville, c'est magnifique. En plus, il y a un bon temps. Bon, il fait froid, hein. Il y a un vrai vent par contre qui claque la bouche, mais franchement, ça fait plaisir. A few moments later. Bon, finalement, je me suis pas trop cassé la tête. J'ai mangé un petit truc à l'arrache au niveau du centre-ville. Donc un petit sandwich, une pomme et voilà. J'ai pris un café et j'ai visité. Donc franchement, très sympathique la petite visite. Là, je viens de rentrer au niveau de mon Airbnb. Donc voici la chambre. Franchement, très cool. Hein. J'ai un bureau. Bon, comme vous le constatez, je me suis déjà mis à l'aise. Hein. J'ai mis la doudoune, le PC, tout ce qu'il faut. Là, j'ai mon lit. Donc, j'ai une chambre qui est privée, mais c'est dans un logement commun. Voilà. Et là, c'est la petite cuisine commune. Là, c'est la salle de bain. Putain, je déteste les salles de bain communes. Ok, il y a un gel douche, mais bon, vu la gueule du truc, on va aller en acheter un. Next stop, McDonald's Road. C'est magnifique. Donc là on est en plein centre-ville. Donc me voilà à Lidl à Édimbourg. Je sais pas si je suis en Écosse ou si je suis à Corbeil. À deux doigts je rejoins Willem pour prendre un pain au chocolat. Là je fais une petite course tranquille, mais ce que je kiffe de ouf c'est ce petit logo là, Scotland. Ce qui veut dire que ça c'est un produit fait en Écosse. Donc
c'est une exclusivité en gros que je peux pas trouver en France. Donc je me focus sur les petits logos là comme ça. Bon, ça y est, je suis rentré. J'ai fait mes petites courses. Voilà, j'ai tout installé ici directement. Bonne première approche avec l'Écosse. Une bonne petite balade aujourd'hui. Puis voilà, les gars, on se dit à demain. Et les meufs aussi. Bon, c'est parti les gars. Deuxième jour à Édimbourg. Direction... Il y a un magnifique soleil en plus, donc c'est parfait, on prend. Direction le château d'Édimbourg. Il est très connu ce château. En général, quand on tape Édimbourg sur Google, on tombe souvent sur des photos, etc. Une belle journée qui s'annonce en perspective. Il est à peine 10h là, donc let's go. J'aime trop cette ville. Oh là là, le vent, il me tabasse la gueule. Il est stylé le tram quand même. Regardez-moi cette architecture, c'est ça qu'on aime ici. Voilà, et le château il est là-bas. Vous êtes d'accord avec moi si je vous dis qu'il me fait tellement penser à Noirfang le Pokémon? Le fameux château d'Édimbourg avec une magnifique vue en prime. Et je caille de ouf, le vent me met une claque. Il rentre dans mon nez là, déjà irrité là, laisse tomber. Nous voilà au sein des murs de ce magnifique château. J'ai pris un petit audio guide pour avoir les petits trucs en français pour l'histoire et tout, parce qu'en anglais ça va être une galère. À 13h, faut que je revienne ici parce qu'il y a un gars, il va tirer au canon à skip. C'est le 13 o'clock gun. Les mioches, comme d'hab, partout. Ok, là, donc je suis dans un musée. Le musée des Royal Scots Dragon Guard. Donc, c'est régiment d'élite de l'armée écossaise à l'époque. On a l'historique de leur bataille, de leur histoire. C'est vraiment intéressant. Là, on a une reproduction d'un champ de bataille. Toute cette foule, c'est pour attendre le tir de canon de l'autre côté. Bon, bien évidemment, je vais vous épargner de la visite complète du château parce que déjà, premièrement, c'est pas spécialement intéressant à regarder sur YouTube et j'y suis resté 3-4 heures, donc ça ferait une vidéo de pas mal d'heures et ça serait trop long pour rien, trop indigeste. Bon, du coup, j'en ai fini avec la visite de ce magnifique château. Là, on va passer au meilleur moment, ou du moins le moment que j'attendais, cafétéria. Bon, on va pouvoir manger, j'ai vu qu'il y avait l'air d'avoir des trucs plutôt sympathiques à l'intérieur. J'ai faim de ouf en plus. Bon, ça va être du classique, hein. Des sandwichs, des trucs, des machins. Là, il y a un petit carotte cake qui me tente pas mal. Et là, il y a... Ah, y a d'autres types de sandwichs. Ça va peut-être être plus intéressant ici. Sandwich, carotte cake, un double expresso, la petite canette de coca. Bonne grosse matinée, me voici enfin rentré à la maison. J'ai trouvé un petit club de boxe qui pourrait être intéressant. Donc moi, actuellement, je suis ici, je loge ici. Et là... T'as le club en question, le Hanuman Thai Boxing. J'ai regardé, ils ont des cours à 17h. Donc là, il est 16h. En marche, 25 minutes. En transport, 20 minutes. Donc c'est quasiment pareil. Mais en tout cas, le club, il a l'air vraiment pas mal. Donc on va tester ça. Si je peux faire quelques entraînements pendant mon séjour, ça serait incroyable. Donc voilà, là, il y a le club quelque part par là. Entrance. Voilà, là je sors de 2 heures d'entraînement, c'était pas mal. Franchement, bon petit club, il y a du bon niveau. Là il y a encore un cours. Bon, je me pose un petit peu là. J'étais malade donc ça fait une semaine que je me suis pas entraîné. Et franchement, ça fait du bien. On est là, un petit t-shirt RWS. Je kiffe aller à l'étranger pour boxer, tu rencontres des gens. En plus, là, du coup, ça parle anglais, donc ça m'entraîne avec le lexique anglais de la boxe. Ça m'entraîne aussi à entendre de l'anglais dans mon oreille continuellement. Et c'est le Hanuman Thai Boxing. Donc c'est un très bon club à Édimbourg. Il y a quelques pros, il y a du bon level. Donc j'ai fait un cours de Muay Thai all level, tous les levels. Et j'ai fait un cours de Muay Thai niveau avancé. Donc là, il y avait pas mal de compétiteurs et ça s'envoyait pas mal. Là, il y a une session clinch. Je dois y aller, malheureusement, j'avais pas prévu la troisième heure dans le planning. Je vais rentrer et là on part sur une préparation salade. Tomates, fromage, du thon, concombre, olive. Il y a des halloumi qui sont en train de cuire là-bas. Et voilà, la bonne vieille salade. On va bien manger les petits halloumi. Erreur à surtout ne pas reproduire, partir en vacances avec une paire d'Air Force uniquement, surtout quand tu fais 15 km par jour. Donc là je suis à Sport Direct, je vais me prendre une petite paire, je pense que celle-là elle est pas trop chère. Je sais même pas si je vais pouvoir la ramener en France, après j'ai pas de place dans mon sac. Plus aujourd'hui je m'apprête à faire quand même une grosse marche, donc on va tâcher de s'équiper correctement. Finalement ça part sur une petite paire d'Asics. Donc là je me suis trouvé un petit fish and chips qui a l'air pas trop mal, qui est à 15 minutes à pied d'ici. Quoi de mieux que d'être dans un pays anglophone pour faire un fish and chips, donc on va aller tester ça. Hein.
Bon fish and chips, c'est un truc spécialisé. Made in Écosse, petit fish and chips avec la petite sauce tartare. J'aime trop, trop, trop les rues comme ça par contre. C'est magnifique, c'est un truc de ouf. Par contre, Édimbourg, hein, ça monte, ça descend dans tous les sens. Je peux pas marcher sur un endroit plat. Donc là, je vous laisse observer quand même comment c'est beau. J'aime trop ça. Bâtiment avec différentes couleurs, différents magasins, des restaurants, il y a du monde, des boutiques traditionnelles. Il y en a pour tout le monde en plus, donc c'est vraiment cool. Donc là, on part en direction de ce qu'ils appellent Arthur Site. Donc c'est un point surélevé, très en hauteur dans la ville, qui permet d'avoir une belle vue sur l'ensemble et accessible après une bonne petite randonnée, d'où le fait et l'intérêt d'acheter les chaussures que j'ai mis à mes pieds directement. Donc on part en direction, on est à 15 minutes là du point d'entrée, du début de la randonnée. Là, il y a des fichiers chips partout ici quand même. Pause, boisson chaude là, petit Tesco, on va se prendre un petit café sur le chemin puisque bon, il fait froid. Hein. Le Tesco c'est le sort de 7-Eleven des pays anglophones, sauf que c'est pas ouvert 24h sur 24 non plus. Ça dépanne, il y en a un peu partout. Je me souviens quand j'étais à Liverpool, j'y allais toutes les 10 minutes, c'était un truc de ouf. Bon, café c'est où? Voilà, on est reparti. Il me semble que je vais devoir monter la falaise là-bas, gravir tout ça là. On est toujours à Édimbourg même et on a quand même des zones de nature hein, et de verdure. Pourtant, on est en plein encore dans la capitale. Début de l'itinéraire, le début du chemin, du long chemin. Je crois qu'il y a 1 ou 2 heures de marche, à peu près 2 heures il me semble. Donc, parti hein. Il y a un petit lac là-bas, là ça monte bien. Moi j'ai bien fait pour les chaussures. Hein. J'ai l'impression d'être dans Death Stranding là, c'est trop bien. L'aventure, ah ça monte vénère hein. Ça monte de ouf. Franchement, cette randonnée, c'est clairement ce que je recherchais. Des grosses falaises, des grosses étendues de verdure. La ville au loin, la mer au loin. Mais là, on a toute la ville là-bas. C'est très clairement ce que je recherchais. Quelque chose d'assez physique néanmoins, donc ça fait faire un peu de sport aussi. On prend et franchement, c'est magnifique. La grandeur de la nature, c'est vraiment quelque chose de très impressionnant. Et là, on a une vue sur Édimbourg complet. J'imagine même pas quand on va arriver encore plus haut. Non, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Ça y est, nous voici arrivés sur le plus haut point de cette randonnée du Arthur Site. Donc voilà, une vue magnifique sur toute la ville d'Édimbourg. Et je dirais même sur l'Écosse, hein, puisque ça va loin. Putain, par contre, il y a un vent de ouf. Donc ça valait quand même le détour. Magnifique vue. Putain, le coucher de soleil, ça doit être quelque chose ici. Hein. On a vraiment une vue sur tous les monuments. Là-bas, on a un stade de foot. C'est pour des expériences comme ça que les gars, je voyage. C'est vraiment un truc de ouf. Bon, va falloir redescendre maintenant. Je sais même pas par où. Béton sa mère, mais je vais où? Aujourd'hui, c'est jour de match. Comme vous pouvez le constater, on arrive au stade. On commence à avoir un petit peu de monde. Le match commence dans une demi-heure, donc j'ai un petit peu d'avance. On va pouvoir regarder les échauffements et tout. Comme vous le savez, pour ceux qui me suivent, aller voir des matchs de foot à l'étranger, découvrir des stades, c'est une passion pour moi. Et donc là, on va avoir l'équipe d'Hibernian jouer contre Ross County, donc championnat écossais, Scottish Premier League. Hibernian, c'est l'équipe d'Édimbourg, donc la capitale. Donc on est loin d'être les Rangers ou le Celtic en termes de palmarès et en termes de renommée. Mais on va découvrir ça. Le stade a l'air pas trop mal non plus. On va voir s'il y a de l'ambiance. C'est un match à 15h. Et là, on a la boutique du club d'Hibernian. Donc, on va aller regarder ça de plus près. Voir un petit peu le merch proposé. Forcément, jour de match, à 30 minutes du match, il y a un peu de monde. Je vais absolument pas acheter un maillot ou un truc dedans, mais on va regarder un petit peu. C'est où les maillots? Est-ce que c'est le maillot de l'année dernière? Est-ce que c'est le maillot de cette année? Je sais pas. Vu qu'il y a 30%. Il y a des chances quand même que ça soit le maillot de cette année ici. 40 pounds. En tout cas, restez branchés sur la chaîne car demain, donc dimanche, je vais passer la journée entière à Glasgow. Donc c'est la deuxième, on va dire, ville la plus touristique d'Écosse. Et on va aller visiter le Celtic Park, donc le stade du Celtic. Et je vais aussi aller aux alentours du stade des Rangers. Il s'agit de deux grands clubs, hein, donc ça va être un plaisir. Juste avant de me poser, je vais prendre un petit café quand même. Bon, il y a un peu de monde hein, qui fait la queue comme d'hab à chaque fois. Hello. What kind of coffee? Long coffee, espresso? Coffee. What kind of coffee do you sell? Americano. Americano. Long? Short. Short, okay.
Can I have please one cola zero? La meilleure des choses, c'est l'entrée dans le stade, les gars. Quel plaisir quand tu découvres la pelouse. Ça se remplit petit à petit, hein. Je suis pressé de voir le match, je suis pressé de voir s'il y a de la qualité technique et du jeu. Je suis près de la pelouse de ouf en plus. Je suis juste là, je vais avoir le match devant les yeux. Je suis près de ouf de la pelouse, c'est une dinguerie. Ils sont juste là. Limite je saute et je suis sur la pelouse. Ouais, fin du match les gens, du coup ça rentre là maintenant. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors déjà il y a eu 2-0 pour Hibernian, donc l'équipe que je suis venu supporter en théorie. Alors on va pas se mentir, hein, c'était pas un match de première ligue par la qualité stratégique, technique, collective, que par la qualité aussi du terrain, de la pelouse. On était face à deux équipes de milieu de tableau, voire bas de tableau, d'un championnat qui n'est pas majeur. Donc forcément je m'attendais pas à voir un match de football de taré. Mais voilà, j'ai quand même réussi à prendre du plaisir. Il y avait 2-3 joueurs qui sortaient du lot. Après la plupart étaient quand même assez normaux. L'ambiance et le public, pas ouf. Je dirais 70% du stade rempli, 30% vide. Après, c'est toujours sympa, tu sais, quand t'es au milieu d'anglais, enfin du coup, en l'occurrence, là, d'écossais, et que ça gueule, etc. Ils sont là avec leur bière et tout. C'est quand même une petite ambiance qui est sympa. Dans l'ensemble, bonne expérience, mais voilà, c'est pas le meilleur match de foot que j'ai vu de ma vie. Ça, on va pas se mentir là-dessus. Bon, les gens, c'est la fin de cette vidéo. En tout cas, du moins de ce premier épisode. J'espère que tu auras apprécié. On va faire un épisode numéro 2 puisque mon séjour en Écosse n'est pas terminé. Dis-moi, n'hésite pas en commentaire à me dire si tu as apprécié cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'à là. N'hésite pas à mettre un petit like. Ça me propage ma vidéo. C'est du soutien. Ça fait kiffer. N'hésite pas à t'abonner, bien sûr. Il y a beaucoup de gens qui regardent les vidéos et qui sont pas abonnés. Et on se dit à l'épisode numéro 2. Ciao, les gars. Salut.